Sorti le 31 janvier 2024, développé par Pixpeel et édité par Shuklefish, Histoire d'Octopia, DLC du jeu Eastward, sorti en septembre 2021, daigne enfin pointer le bout de son nez. Sam et John repartent à l'aventure. Et oubliez cette fois les combats à la poêle. Ici, on part sur une toute autre histoire, puisqu'après le laïus du début où l'on comprend à peu près que l'histoire se passe non pas dans la continuité, mais bien dans un univers parallèle où toutes leurs aventures n'ont pas eu lieu, hormis le fait de leur rencontre. Mais c'est avec plaisir que l'on retrouve le duo et toute la pléthore iconique de personnages du jeu, que ce soit William, Alva, Salomon, etc. Vous voilà donc avec pour objectif de relancer Octopia, un bourg abandonné qui n'apparaît même pas sur les cartes, où ils ont acquis une ferme. Les fans de Stardew Valley y trouveront ici du pain béni lors de sa gestion. Chaque jour, vous devrez donc participer à un ensemble de tâches comme l'arrosage ou la récolte des plantes, œufs, miel, lait et quelques ressources qui traînent aux alentours des maps. Vous pourrez vous procurer des graines au magasin de William et y revendre soit votre production, soit après les avoir transformées en plats, avec les mêmes animations de cuisine et de jeux de base. Il faudra découvrir des recettes au fur et à mesure des récoltes, et les faire vous en apportera de nouvelles. Plus vous avancerez, et plus vous aurez accès à de nouvelles constructions qui prennent du temps à construire, mais qui apportent de nouvelles choses, comme l'agrandissement de vos champs, un laboratoire pour Alva, une grange pour votre bétail, vous aurez accès à la pêche, au coupage de bois et au minage. Vous pourrez aussi parcourir la mine abandonnée, et grâce à un petit robot essayer de récolter des minerais rares pour améliorer vos outils. Il y aura quelques quêtes à accomplir, et de plus en plus de gens arriveront sur l'île, apportant un peu plus de vie à chaque fois, au fil de la construction des différents bâtiments. Octopia apporte des dizaines d'heures de plus avec nos deux héros dans la quiétude la plus totale. Pas de combat, pas de prise de tête, pas de piège, ici, le calme. Merci d'être resté 2 minutes, on se dit à la prochaine. Ciao.